J'ai oublié que ça avait pas marché. Faut que je mette mon truc. Voilà, c'est bon. Tiens. Faut que tu mettes ça. C'est plus facile. Ah oui, c'est vrai. Comme ça, tu peux bien marcher. Attends, j'ai mon truc. Vas-y, je vais t'aider. Attends. Ah. Voilà. Allez, viens, on va réveiller nos sœurs et maman. Viens, il y a... Ah, elle est réveillée, Nina. Coucou, Nina. Tu viens? On va réveiller Léna et maman. Léna, elle est en bas. Ouais. Maman, elle est là. La maman, elle grimpe. Elle fait waouh. Mais qu'est-ce que tu fais, maman? N'importe quoi. Bon, faut nous préparer à manger, maman. Ah, c'est dur de monter les escaliers, j'avais oublié. Ah, elle est plus grande. Mais depuis quand? Depuis quand Léna, elle est plus grande que nous? Bah, maintenant, on est des triplés. Pas vraiment. Pourquoi? Je lui ai dit, ça va. Pourquoi? Et vous? Ouais. T'as fait un cauchemar? Mais ça va, tu dis? J'ai mal au ventre. Oh! Oh! Est-ce que tu peux aller me changer? Attends, maman, là! Elle a le bibi de lait. Bibi de lait. Bibi de lait. Oui. Oui. Bibi de lait. Donne mon bibi de lait. Bibi de lait. Bibi de lait. Bibi de lait. Délicieux le bibi de lait. Bibi de lait. Bibi de lait. Bibi de lait. Maman, tu bois notre bibi. Mais non, je bois pas votre... Mais non, elle boit pas notre bibi, qu'est-ce que tu dis? Mais tiens. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais c'est bon, mais voilà. Maintenant, mon bibi à moi. Mais t'as déjà eu ton bibi? Maintenant. Bah si. Maintenant. Mais n'importe quoi, bah attends, je te donne... Maman m'en a donné deux, c'est peut-être ça. Tiens. Ah, merci. Bon, moi, j'ai fini. Ah, il fait jour. Okay. Fini. Il y a la même maison que nous. Oh. Bah oui, mais on est dans le quartier des riches. C'est logique. Maman, elle est riche. On est riche. Allume la lumière. École. Depuis quand on est école? Depuis que je suis née. Oh, comme on est. Oh, mais c'est pas possible. Depuis qu'on est née, comme le nez. Tu crois que c'est ça? Peut-être. Peut-être. Mais nous, on va à la crèche, on a un an. Maman, tu peux m'aider, s'il te plaît. Tu peux m'apporter. S'il te plaît. Oui. M'habille-moi. Allez, vas-y, maman. Tu peux m'aider. Mais du coup, tu vas me mettre quoi, maman? Parce que moi, je suis toute petite, tu sais.
Je suis pas comme notre grande sœur qui je savais pas qu'elle était notre grande sœur depuis tout ce temps. Tu sais, maman. Ah, je suis remplie de couleurs. Voilà. Ah, tu peux pas tenir debout, maman. Tu as oublié de me mettre mon petit siège bleu. Merci, maman. Je suis prête. Léo, c'est à toi. C'est à toi, Léo. Allez, c'est à toi. Va avec maman. Bon, par contre, j'ai pas le droit de regarder. Hein. Est-ce que les filles, elles sont prêtes? Bah, où? Nina, maman, elle t'a déjà habillée? Oui. Oui? Et elle est où, Léna? Je sais pas. Bah, Léna, elle est censée être là. Fais l'appeler. Je perds mes cheveux aussi. Léna. Bah, moi, mais j'ai déjà mes couettes. Les cheveux. Bah non. Ah. C'est bon, mais attends, il faut que tu mettes ton truc, sinon tu tiens pas debout. Oui, mais je tiens debout, puisque... Tu te tiens. Moi, vais dans le camion. Je me tiens au lavabo. Je vais me faire mes cheveux. Non, pas devant, Nina, c'est derrière. Allez, Léo, dépêche-toi. Mes cheveux. On t'attend. Me dis pas qu'elle est déjà partie à l'école. Allez Léo, dépêche-toi, on n'a pas tout notre temps. Hein. On va voir. Luna. Oui. Maman, c'est quand on pourra voir un skateboard ou un overboard ou un truc comme ça. Voilà Léo. Léo, assieds-toi. Attends. Ah oui, maman, c'est vrai. Quand est-ce que j'aurai un téléphone? Overboard. Parce que c'est bien les overboard, ah oui. Oui. Quand on sera plus grand, bah quand on sera plus grand, quand on sera plus grand. Nina, elle est partie, c'est sûr. Hein. Mais nous, c'est la crèche. Hein. Tu crois qu'elle a voyagé dans un autre endroit? Oh. Maman, elle m'a donné un truc pour qu'on se localise. Ben, au revoir, maman. Au revoir, maman. Mais du coup, maman, elle m'a donné un truc pour qu'on se localise. Ouais, moi aussi, je l'ai. Regarde, moi aussi, je l'ai. Attends, je regarde. Hop. Oui, elle est toujours ici. Elle est à l'école là-bas. Ah non. Elle est partie. Attends, je t'ai plus de bip bip. Mon dodo, Léo. Elle est dans la...
Tu parles duquel, de Doudou? Parce que tu sais, t'en as une tonne. Le singe? Ah, je l'ai pris. J'ai pris le tien. Et le mien. Je la localise. Elle est plus ici, j'ai vu la localisation. Bibi, oh non, ça s'est arrêté. Elle est partie dans un autre monde. Dommage. J'ai vu quelque chose sur Internet, moi. C'est quoi? Qui a fait, en fait, t'as une madame qui a sauté. En fait, elle était là-bas. En fait, avant, il y avait un truc dans la garnerie. Et en fait, tu pouvais sauter. Et elle a eu un petit peu mal au genou. Oh, par contre, là, c'est pour les enfants qui s'échappent. C'est pas bien de s'échapper. Ah oui. Hein? Il fait boum. Oh, vite, 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 faut que je rentre. Je rentre. Comment on rentre? Ici, ah, regarde. Viens. Là, t'es au-dessus. J'ai trop peur. Ça m'a traumatisé. Plus jamais je vis ici, moi. Moi aussi. Je reste dans le parc. Je. Assurez-moi quelque chose, là. Tout le monde a pris un peu d'argent. Bah oui. Bah maman, elle me donne toujours un petit peu d'argent. Non, on va pas tout balancer, hein. Attends, je vais couper. Attends, je vais mettre mes brassards et je vais nager dans la piscine. Bah, ma petite bouée. Trop trop belle elle est, ma bouée. Allez, je te pose. Je vais enlever mon truc. Moi je vais pas aller dans la piscine. Bah si, je vais y aller. C'est trop bien. Super amusant. Ah, par contre, j'ai plus pied. Ah, vite. Faut rester là où on a pied, parce que maman, elle dit toujours qu'il faut pas s'éloigner trop. Ouais, hein. J'ai pas pied. Ah. Arrête, on a plus pied, Léo. C'est pas normal. Je vais faire du toboggan, moi. Oula, c'est difficile d'escalader. Au moins, j'ai une nage. Ça m'a traumatisé aussi, ça. Regarde, je suis traumatisée. Je m'assois. Oh oui, de la balançoire, c'est bien. Par contre, j'ai enlevé ma bouée, moi. Moi, je vais l'enlever après. Pourquoi il y a une balançoire qui se balance toute seule? Moi, je vais promener mon petit chien. Oui, mon petit chat se promène, promène-toi. Bon, allez, par contre, je parie que c'est tout long. Moi, je veux la balançoire qui bouge pas. Oui, je vais trop. Je ralentis. Mais qu'est-ce que tu fais?
j'ai atterri dans l'eau. Qu'est-ce qui se passe, Anna? Mais comment tu fais pour marcher sans le truc? Oh non, j'ai fait un tour complet. Aïe. Léo. Ça va? Non. Sûr? Non. Ah non. On va attendre des filles de partout. Quoi? La maman qui va arriver bientôt. Je vais te porter. Viens. Je vois le camion. Oui. Vite ton cou. Nina, viens. Appelle Nina. Nina. Viens dans la crèche, on voit le camion. Ah, il est là. Ça va? Oui, je vais me reposer. Mais t'as des coups, parce que sinon... Mais j'ai mal. Bah peut-être je peux me calmer. Maman, elle est là. Voilà. J'essaye. Maintenant, on a des apprentissages. Bonjour maman. Ça va maman? Ça va maman? Maman, ça va? Elle est où? Ça va maman. Moi c'est bon. Elle est où petit? Ah elle est là. Elle est là. Mais c'est qui a mis toutes les lumières? Oui. Petite sœur est malade. Petite sœur? Ah bah Nina, petite. T'as dû faire ah. Oui. T'as dû tousser. Donc c'est pas notre maison maman. Hein. On entend la musique du voisin. Fais marcher, maman. Oui. Le canapé du animal. Je vais mettre ta scène préférée. Oui. C'est cop. Mais c'est la police. C'est ça? Non. Attends, on voit pas. Voilà. Oui. Oui. C'est trop bien la télé. Qu'est-ce que tu fais?
Attends. Pourquoi Qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce que tu fais? Je me sens pas bien. Bah, qu'est-ce qui va pas? T'as mal quelque part? Oui, fort au ventre. Bah, qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que tu fais? Maman, il y a un monstre! Il fait peur! De quoi où? Mais maman, mais il est pas bien. M'en vais de là, hein, veux pas me faire contaminer. Vais me laver, voilà. Ah. Habillé, c'est pas grave. Je vais me reposer. Voilà, hi. Bibi. Hé, maman, pourquoi tu me regardes? C'était le truc de mamie, ça. Prends ma poupée. Ma deuxième poupée. Si, mais du poupée. Et je prends mon petit pyjama. Voilà. Elle va juste me démêler les cheveux. Avec une petite pince. Et voilà, c'est trop mignonne. Mais bon, maman. T'as vu, j'apprends à marcher. Hop. Tu dois venir jusque toi. Ouais, j'ai marché, oui, je sais marcher. Oh, fait chaud. Maman, j'ai mal d'un coup partout. Je suis bizarre. Oh non. Je suis bizarre. Aide-moi. Maman, d'un coup je me sens éternuée. Bah, qu'est-ce qui va pas, Léo? Pourquoi t'es tout vert? Je suis tout vert? Bah non, parce que je me sens extrêmement bien. J'ai l'impression que pour une fois, je suis pas malade. Oui! Mais pourquoi il a la peau verte? Viens, je vais te montrer dans le miroir, tu ressembles à quoi? Non, Léo. Contamination. Arrête de faire le bourgeois, on sait que t'as mis de la peinture. Maman! Contamination. Arrête de me faire peur.
remède. Peu importe que j'y pleure ou non, c'est parti. Non. Tu veux ne plus être fou? Pic! Attention! Pic! J'ai réussi! Ah! C'était pas la bonne. Oh, je me suis trompée, c'était la verte. Bon, au moins, il aura une grosse partie de lui qui va être nue. Donc, il va être moins vert. Ouais. Et je vais lui donner l'autre piqûre. La verte. Celle qui va l'aider. Parce que c'est un zombie. Tuez les gens. Tu veux que je te donne d'autres gens? Viens ici. Ah, ah, je veux, attends, je peux t'aider à trouver les gens. Et après, tu me tueras. Oui. Pour ça, il faut pique. Yeah. Ah, qu'est-ce qui se passe? Oh. Yeah. Ah. Tu me retouches plus. De toute façon, une suffisait. Tu vas redevenir toi-même. À combien de temps? Maintenant. Non, dans 3 minutes normalement. C'était écrit 3 minutes. Non. Ah non, c'était écrit 3 minutes. Bon, d'accord, 30 secondes. Ah. Alors, à l'hôpital, je vais dire à mes collègues de me remettre à nouveau. Allez. Arrête. Maintenant, Superman. Arrête de dire des grosses bêtises. Oh. Je vais aller voir mes collègues. Mmh. Au revoir, gros nul. Il reviendra. Tant pis pour lui s'il vient pas. Il se débrouillera. S'il ne nous retrouve pas. Pff, il a mis ça toute la nuit, le loisir. Remettez-moi comme à nouveau, s'il vous plaît. Bon. Maman va m'habiller. J'ai enfin trouvé cette solution. Je vais me l'injecter. Et maintenant, enfin... devenir, qu'est-ce que je devais être? Maman. Non, tu peux dire seul. Désolé, mais oui, c'est vrai. Je peux enfin devenir Superman, non. Le roi des zombies. Il faut attendre 3 minutes toujours avant que ça ressemble. Mais c'est pas vrai, il y a le zombie qui rappelle. Maman, vu qu'il y a un zombie, faut installer un bunker. Ok, go, va l'installer. Le bunker. Déjà, marche un petit peu plus droit.
Allez, Sœurette, il va falloir qu'on suive maman, d'accord? Mais attends, j'ai voulu te dire quelque chose. Quoi? Mais en fait, comment on va faire? Parce que si on vit dans un bunker, ça va être trop compliqué. Le bunker! Normalement, c'est un bunker giga, méga, giga, méga, bibi, en sécurité. Personne, mais vous dites bien, personne ne peut y entrer. Ah, la maman, venez ici, je vais rentrer. Non! Si vous ne voulez pas que je vous insecte cette piqûre, vous ne serez plus parmi nous. Ok, alors attends. Si j'ai bien compris, tu veux nous insérer une piqûre? Non, bye bye. Non, attends. Je veux d'abord que tu m'expliques avant d'enfoncer cette piqûre. Si j'ai bien compris, tu veux qu'on devienne des zombies? Oui. Eh ben, ça sera pas aujourd'hui. Attends, claque. Hop, je m'enfuis. Oui. Maman, t'as bien fait de prendre les médicaments. Puis nous aussi, du coup. Je vais bousiller le système de l'électricité de la ville. Viens, mes revenir. Comme ça. Comme ça, le son sera parmi nous. À mon cœur, avec une seule chambre, viens, on va se porter. Je vais aller contaminer ce petit voisin. Bonjour. Et la piqûre ou vous êtes tué? La piqûre? Crash! Maintenant, un autre zombie est parmi nous. Le seul moyen. Ok. Vu qu'on est en sécurité et qu'il y a un super bunker pour lancer des missiles. Comme ça, personne ne pourra venir dans le bunker. On est tranquille. Pepe la la la. Yeah, yeah. Oh, la la. Yeah. Bunker à missiles. Yeah. I don't wanna. Yeah. Bah oui, comme ça on est en sécurité si jamais. Mais on est en sécurité. Enlève ma poupée. Moi, j'ai mes deux poupées toujours avec moi. Moi, je vais dans mon passage secret. Que personne ne connaît. C'est trop bien, ces trucs verts. Je sais pas ce que... c'est de l'argent, oui. Là, c'est des... Je sais pas c'est quoi ces gros trucs. Mais c'est joli. C'est brillant. Regardez dehors, qu'est-ce qui arrive? Non! Regardez dehors! Sœurette, amène maman! Ma au revoir, le monde! Missile roquette! Viens, suis maman! Avant qu'on meure tous! Missile roquette! Vous êtes passé où, rentre! Maman, je veux pas. Allez, t'es bon. Vite. On est en sécurité. Fouh. Méchant. Notre frère, on devait penser que c'était un zombie, pas vrai. Maman, je m'attache les cheveux parce que aujourd'hui c'est parti pour l'attaque des zombies. Attaque la ville. Attendez-moi. Mika, je sais pas moi. Et surtout,
Attention, il lance des missiles, donc cachez-vous bien. Le seul moyen de le battre, c'est de mettre de l'eau dans sa maison. De l'eau? Attends, je vais envoyer un message. Parce que normalement, ils répondent aux messages en direct. Et vu qu'il n'y a personne, ça devrait aller. Est-ce que si on met de l'eau dans la maison, ça tuerait le zombie? Envoyez. Envoyez aussi. Alors, un message. Est-ce que si on met de l'eau, ça tue le zombie? Oui, les zombies, quand il y a de l'eau dessus, bah, ils font... Mais si on vous dit que c'est mon frère, qu'est-ce que vous nous diriez? Envoyez. Bah, il va détruire le monde, bah voilà. Okay. Mais nous, on ne veut pas qu'il meure, juste qu'il redevienne comme avant. Bah, et en fait, je vous précise, en fait, c'est que l'eau, ça fait ça, mais ça redevient comme avant, lui. Ça le tue pas, désolé. Hein, okay, alors, nickel. Je vous explique, tant que le zombie est pas là, je me déguise en zombie, je sonne chez vous et je vous dis. Comme ça vous pourrez rentrer. Déguisez-vous en zombie. Très bien. On se prépare. Vite, vous avez compris les breaking news. Il faut vite se changer en zombie. Je vais enlever mes poupées, sinon il va direct me reconnaître. Il faut pas ça parce que c'est mes poupées d'amour. Et je veux pas mourir. Je sais pas comment me déguiser en zombie. Ah oui, faut mettre de la peinture verte sur nous. Comme ça. Voilà. Je vais mettre un visage. Je vais me faire un visage trop bizarre. Non. Bah, en vrai, si. Ok, let's go. On va me mettre... des vêtements comme ça. C'est bon, je suis prête. Il faut que vous vous changiez le plus vite possible. Ding dong. Il sonne. Bon, je vais les attendre. T'as vu que le zombie il est là, il est pas là. Tu veux de l'aide? Attends, j'arrive. Oui, je veux de l'aide. Vite maman, mets-toi quelque chose de bien. Mets-toi en policier, ouais, c'est pas mal. C'est quand qu'il arrive. On va faire des roulades. Ok, allez, j'y vais. Juste, je sais pas comment on sort du bunker. Ding dong. Ah voilà. Vous restez là, hein. Vite, faut que je me dépêche. Maintenant, je suis un zombie. J'ai changé ma coiffure. Personne ne me reconnaît. C'est un zombie. Je suis Noémie. Le zombie, il est encore, il y a plein d'amis. Le zombie, il a plein d'amis. Oh. Et du coup, bah. Mais en fait, je suis toute petite, moi. Tu vois, j'ai 1 an, donc c'est compliqué pour moi de vivre. Oui, mais ça. Je vais vous montrer, mais il est encore dans sa maison, donc. Mais essayez de ne pas passer inaperçu dans dehors, ok? D'accord. Tu me suis à la trace, ok? Oui, je te suis à la trace. Ok, go. Et pourquoi c'est entouré d'eau? Parce que on peut faire une fuite. Mais en fait, il est bête, mon frère. Ouais. Regarde, il faut appuyer sur olfacture et fusée, mais pas maintenant. Parce qu'il y a déjà, il est là. Il est dans la maison. Il peut refaire... Oui, mais plus que je suis son pote.
Il va m'aider. Bon, je suis pas vraiment son pote, mais. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Attends, je vais dire. Il est là! Mets-toi là! Il est là. Ne bouge surtout pas. Oui. Ah, mon vieux ami. Ouais, salut. Je vais lancer une fusée. Je vais voir s'il y en a. Si. Ici, c'est déjà lancé. Regarde, vous avez vu les deux boutons bleus là? Oui. Les deux boutons bleus là. Et si vous voulez, vous pouvez appuyer sur le bouton rouge. Non. Mais pas maintenant, hein. Sinon, il va le voir. Les deux boutons. Et en bas. Il y a aussi un en bas. Venez. Attendez, j'arrive parce que là, ça m'intrigue. Ah, il y a ma famille en haut. Vous pouvez ouvrir? Oui, attendez. Venez. Bon. Attendez, monsieur. Mais la guerre a sauré. La sonné. La guerre des zombies a sonné. Oui, mais ton frère zombie, il est très fort. Il peut tuer quelqu'un d'un coup. Du coup, mais faut moi, attendre qu'il est pas là. Mais si. Vite. Injectez. Non, pas maintenant. Il est dans la maison. Venez. Mais c'est le but. Moi, m'en fiche. J'ai appuyé sur les boutons. Attends qu'il rentre. Et voilà, il pleut. Attention, aussi dans sa coule. Attention, vite s'en aller. Parce que là, c'est bon, vite. J'arrive pas à grimper. J'ai appuyé sur les deux boutons. Ah bon. C'est vrai, on est dans l'eau. Oui. Faut s'échapper. Attention. C'est bon, je suis sortie d'ici. Ah! N'aie pas peur. Montez. Là, aidez-moi. Ta soeur, vite. Oui. Elle est dans le bunker. Elle arrive vraiment pas à grimper. Ah, ça y est. Je vais fermer le bunker avant que ça déborde partout. Mais non, fermez. Fermez-le. C'est bon, ferme. Bien, Nina. Merci. Je repars à mon poste pour mon émission. Maman, elle m'a dit que en fait, elle revient. C'est juste que là, elle a dit que en fait, nous, tout ce qu'on devait faire, c'était rentrer à la maison. J'ai fermé Broken News. Et je suis sûr qu'il va. Et à un moment. Quand le bunker s'ouvra, votre frère est sauvé. D'accord. Vous avez bien le bunker. Moi, je retourne faire mon émission. Vite, viens, on va changer, sinon il va rien comprendre parce qu'il va jamais savoir en fait ce qui se passe. Vite, qu'est-ce que j'ai comme vêtements? Je vais mettre les dinosaures, mes petits pets d'Adopt-Me. Ouais, je vais me remettre la peau beige. Je vais mettre des beaux yeux parce que sinon il va avoir peur. Mes beaux petits yeux. Et je vais me mettre les petits cheveux. Alors moi, j'ai mis mes petits cheveux à moi. Et voilà, je suis trop parfaite. Vite, mets ta peau normale. Vite, il va arriver. Il faut que tu te mettes ta coiffure dorée, une coiffure qui te que tu normal, sinon il va pas te reconnaître. Le zombie a été tué. Tué? Tué. Mais il sera mort pour toujours. Au moins ça nous fera plus de problème. Mais monsieur, vous m'avez dit qu'il resterait vivant. Non.
Oui, je vous ai dit ça juste parce que je voulais qu'il meure à tout jamais. Mais vous savez que mon frère est plus intelligent que vous. Dis-moi. Donc, arrêtez vos bêtises. Je sais comment le ramener à la vie. Ah ouais, comment? Vous allez me faire rire, c'est sûr. C'est une baguette magique. Une magie que vous ne pourrez jamais connaître. Donc, pour cela, je vais prendre tout ce que j'ai en don pour la scientifique. Et je vais ramener à la vie mon frère, mais pas en tant que zombie. Voilà. Oh non, c'est pas bon. Les missiles sont en train de se relancer pour la dernière fois parce que l'eau détecte les missiles. Donc quand un missile touche l'eau, bah c'est fini. Il décolle. Vite, il faut que j'ouvre. Donc regardez bien dans le ciel. Regardez bien dans le ciel, ça va faire un peu d'artifice. Comment faire? Oui, mon frère. Faut que je trouve mon frère. Que jamais de la vie je laisserai mon frère mourir. Il est ici. Il est à la vie. Enfin, il est mort, mais... Missile détecté. Water. Vite, faut que j'arrive à le porter. C'est dire. Non, mais... porter. Ah, oh, c'est dur. Voilà. C'est bon, je l'ai. Je vais le ramener à la maison et on va s'occuper de lui. Dame est ouvert. Inondation de la ville. La ville ne pourra pas être inondée. Une refermation du bunker. Allez, c'est parti. Hop. C'est parti, hop, hop. Normalement, vu que il dort, parce qu'il n'est pas mort, c'est pas possible. Mais pourquoi il bouge? Alors. Je sors la piqûre pour qu'il vit. Enfin, pour qu'il se remette convenablement. Hop! Tu as été transformé en zombie. Quoi? N'importe quoi. rigole toujours. Mais regarde ce que j'ai. Regarde ma tablette. Oh, une tablette. Regarde ce qui est noté dessus. Ok, nous, j'ai un zombie à envahir la ville. Eh oui, et c'était toi. Bah, bizarre tout ça. Et je sais pas monter des choses. Je sais pas faire de montage. Donc tu peux pas dire que c'est parce que j'ai fait un montage. Et maman, elle nous a dit de rester ici. En tout cas, si ça recommence, il faudra tout détruire. Ouais.